Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko et ensemble on va regarder les énergies pour ce premier jour du mois d'octobre. Et on y va, on attaque. Il y a plusieurs petits messages pendant cette préparation. Il y en a quatre, d'accord. Donc, plaisir ciblé. Là on te demande de cibler qu'est-ce que tu as envie de t'accorder, d'accord, pour ce premier jour du mois. Il est important aussi de célébrer ça. Je ne sais pas si vous sentez, mais en tout cas, c'est aussi la première lune, hein, c'est le premier jour aussi de la nouvelle lune. Donc, si je ne me trompe pas, hein, je m'excuse hein, si je me suis trompée, mais je ne crois pas, je crois qu'il y a vraiment cette nouvelle lune aussi, qui est aussi... et on nous parle de plaisir ciblé. Donc, on vous demande aussi de... voilà, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as aussi envie de t'accorder comme plaisir? Parce que c'est bien d'être toujours dans le mode de dire « Oui, je veux ça, ça, ça » pour son avancée professionnelle, familiale ou autre. Mais tu t'es fixé en mode job. Mais par contre, on te demande aussi de te fixer aussi un petit peu en mode « Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu aurais envie ?» Dans le sens, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pas ce que... Pour prendre soin de ta personne. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Hein. À la longue, vous avez le décodeur ici à la Bibi Suzanne. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, c'était assez... Je ne sais pas si on va le voir après. Mais on voyait... alors, c'est une encre, d'accord? Mais je ne pouvais pas écrire le mot encre, donc j'ai marqué on lance l'enclume et on pêche sans le savoir. Donc j'ai imagé ça, j'ai écrit comme ça pour que vous compreniez. On voyait vraiment l'encre, hein, c'est ça qu'on voyait, l'encre. Mais on me montrait la même chose que l'hameçon. Ce qui est joli, c'est qu'on te demande des plaisirs ciblés, mais vu que tu ne sais pas, hein, je pense que tu n'arrives pas. Quand c'est pour les autres, il n'y a pas de soucis, mais quand il s'agit de toi, c'est la galère. Hein, tu es complètement paumé, tu ne sais pas comment faire. Et justement, tu as envie peut-être de quelque chose, mais tu ne sais pas quel est ton besoin pour te faire plaisir, pour t'accorder du temps, pour t'accorder des plaisirs aussi pour toi. Par contre, ici on te montre l'enclume. Cette enclume qui est... à la pêche, hein, elle est au fond, donc normalement c'est juste pour pas qu'on, hein, c'est pour pas qu'on se perde, donc ça c'est bon, hein, il n'y a pas de souci, hein, tu es bien fixé sur ton but, aucun problème. Par contre, on te demande de t'accorder des petits plaisirs personnels. Et justement, vu que tu ne sais pas, eh bien cette encre se transforme en hameçon. Et on te demande justement de tirer l'hameçon, hein, de rouler le fil, hein, et puis on te parle de plaisir un petit peu en surprise. Donc, il se peut que pour ce 1er octobre, vous receviez des petits cadeaux comme ça, inattendus, hein, parce que voilà, tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, il y a des belles choses prévues pour aujourd'hui. Si c'est le cas, bah, je serais assez curieuse de vous lire, hein, si vous avez reçu un petit quelque chose aujourd'hui, ça serait pas mal. J'ai marqué cadeau présent, ouais. On vous demande aussi de vous ouvrir aux autres. Parce que c'est clair, si vous restez dans votre cahute en mode ermite, c'est clair que les choses, elles ne vont pas vous être apportées devant la porte. Hein, sauf si vous avez passé une commande chez Zalando ou La Redoute, hein, façon de parler. Hein, je ne fais pas de pub, hein, je ne suis pas payée pour. Mais voilà. Là, oui, tu l'as commandé, donc tu sais ce qui va arriver. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de te dire. Il faut que tu te mettes aussi en mouvement, d'accord? Que tu te fixes aussi des règles pour ce mois d'octobre. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous étiez en train de revenir un petit peu à la vie. On dit souvent que le 1er janvier, on fait des nouveaux trucs, on se fixe des objectifs. Non, moi j'ai l'impression que c'est maintenant les objectifs qui sont en train d'être posé, aussi en lien avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, hein, donc qui nous a complètement déstabilisé et qui nous déstabilise encore, et c'est pas pour rien, d'accord? Une fois, j'ai déjà dit d'accord deux fois. alors, troisième message, non, quatrième message, c'est entraîne peut-être aussi
Alors attends, un franc qui touche. Ah ouais. Ok. Alors le troisième message, j'ai marqué des petits mots et puis c'est juste pour que je puisse le visualiser par après. Alors le dernier message était un petit peu particulier parce qu'on voyait une personne, mais vraiment à bout de souffle, hein, qui n'en pouvait plus. Et puis cette personne, eh bien, ça fait des années, j'ai l'impression que ça faisait des années qu'elle traînait. Alors encore une fois, c'est un terme que je vais utiliser, hein, d'accord? Traîner un fardeau d'une personne, d'accord? Peut-être que tu avais une charge ou tu as encore actuellement. Tu supportes une charge, peut-être un lien avec la famille, parce que voilà, tu restes fidèle aux principes de tes parents et puis tu restes loyal, hein, de cette loyauté, et tu ne veux pas déroger à la règle de l'éducation qui t'a donné, d'où, eh bien, peut-être tu es en train de les supporter, mais partout où tu vas, tu es obligé de traîner cette charge avec toi, d'où maintenant tu es aussi à bout de souffle, d'accord? Et ça, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de le faire, c'est pas ça, mais par contre, je pense que tu as aussi le droit de t'accorder des plaisirs, comme on l'a dit avant avec le maracafé, pour justement, eh bien, que tu puisses aussi être te requinquer, hein, tu as besoin de ça. Ce fardeau, eh bien, ce n'est pas un fardeau, hein, encore une fois, mais c'est juste que tu puisses comprendre, c'est que à la force d'avancer avec ça, eh bien, tu l'as transformé en boulet. Alors que ce n'est pas un boulet. C'est juste la normalité. Ils t'ont mis au monde. Et maintenant, eh bien, c'est à toi aussi de t'en occuper maintenant. C'est comme ça fait partie d'un parcours de vie. Hein, c'est comme ça. Et justement, à force, tu n'arrives plus à avoir la belle chose. Et c'est pour ça que ça s'est transformé en boulet. Tu comprends? Et c'est ça qu'on te demande, de justement accorde-toi un petit peu de temps, de repos, de tranquillité, accorde-toi des plaisirs pour que tu puisses après avoir à nouveau, eh bien, ce petit entrain que tu avais au début de la normalité, hein, que c'est la moindre des choses, entre guillemets. D'accord? Donc voilà, ça c'était juste une petite aparté avec ça. Voilà, j'ai déjà plein de marc à café sur la table. Donc, c'est parti, on y va. Quel est le message? La suite pour ce 1er octobre. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on nous parle ici de joie, de festoiement. Donc, il y a du partage. On nous parle ici aussi d'une ouverture. On voit une personne qui avance. Donc, il y a une nouvelle chose. On est dans ce début de mois, donc. Avec cette nouvelle lune aussi qui va jouer, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en mouvement. Et là, c'est le cas. Vous êtes entouré d'amis fidèles, d'accord? Ici, eh bien, vous passez ce portail, vous passez cette porte, cette ouverture, ce renouveau accompagné d'amis fidèles, que ce soit animal ou bien personne physique, hein, qui vont être là pour vous. Et ce qui est joli, c'est que ici, eh bien, tu as le lièvre, ou ouais, j'ai plus l'impression que c'est le lièvre, qui vient un petit peu à la dernière minute t'apporter quelque chose pour que tu puisses, eh bien, justement partir et avancer sereinement. C'est comme si tu... Alors, c'est rigolo parce que je vois le lièvre, mais il a des noix, donc c'est pas le lièvre. Bref, le lièvre nous parle de vitesse, donc tranquille. Et justement, s'il apparaît là, le lièvre, c'est juste qu'il vient justement à la dernière minute, à la va-vite, mais parce qu'il a cette vitesse-là, donc il peut aller vite, donc il n'a pas besoin de se presser. Il sait qu'à tel endroit, il doit être à telle heure, à tel endroit. Donc il peut être tranquille parce qu'il sait qu'il lui faut tant de temps que ça va assez vite. Mais justement, on vient t'apporter des noix. Et les noix, eh bien, c'est justement pour que tu puisses passer l'hiver, entre guillemets. Donc, on vient t'amener. Peut-être qu'aujourd'hui, vu qu'on t'accorde, on te demande de t'accorder des plaisirs, et puis surtout de sortir de ta cahute, il va y avoir peut-être, est-ce qu'on va te donner des offrandes, entre guillemets. D'où ces petits cadeaux, ça peut être, je n'en sais rien, mais
On peut te partager une banane, on peut peut-être qu'un enfant il va te donner, je sais pas, une clémentine ou une orange, je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Il faut pas vous attendre à des trucs énormes, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'on est en train de vous dire tout simplement que même si tu as peur de passer cette porte, de ce que tu es en train de vivre, tu as peur de ce qu'il y a de l'autre côté, eh bien sache qu'on sera toujours là avec toi. Et justement, par ce petit présent, on veut te dire que tu ne seras jamais en manque, tout simplement. Ce qui est joli, c'est que ça nous montre aussi un diamant, hein. Et puis, on a ici le flambeau, donc une réussite. Pour certains, eh bien, vous commencez peut-être un nouveau job aujourd'hui, hein, et ça se peut aussi, vu qu'ici, eh bien, il y a vraiment ce bâton qui flambe, la purification, le renouveau, hein, qui est aussi la nouvelle flamme, il y a une nouvelle chose qui vient à vous. Donc, on vous apporte aussi des petits présents, hein, qui sont ici aussi en forme de fleurs. J'ai l'impression que les fleurs, elles sont un petit peu fanées, hein, mais voilà, est-ce que cette personne, elle aurait dû venir te les apporter un peu plus tôt dans la journée, et puis elle a pu passer que plus tard, et puis ben voilà, ça fait que elles sont plus autant fraîches, mais en tout cas l'intention, l'impulsion, elle y était depuis le moment où il a décidé de. Donc c'est ça qui est joli et c'est ça qu'il faut prendre, c'est cette vibration-là qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'on nous montre aussi, à part le diamant, que ça brille de mille feux, et c'est justement c'est ce que vous allez maintenant, c'est donner comme impulsion, c'est ce que vous allez briller, c'est ce que vous êtes actuellement, c'est ça, hein, vous allez vraiment briller, c'est comme si on vous offrait le monde. Ici, c'est ça que je vois, on voit, je vois. Avez compris. L'image qu'on me donne, c'est vraiment le monde, c'est ça qu'on vient te. Et j'entends et pas que. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous assez rapidement. J'ai l'impression aussi que vous attendez des nouvelles de certaines personnes et puis vous désespérez. Sachez que ces personnes, elles vont vous donner ces nouvelles-là, hein. Ce que tu désires au plus profond est en train d'arriver, tout simplement. Ici, on a des tracas, ces tourbillons, hein, un petit peu comme un ouragan qui est justement en train de faire le nettoyage déjà devant toi pour que justement, eh bien, tu ne te trouves pas, pour qu'aujourd'hui tu sois confronté à une journée tranquille, apaisante, gaie, joyeuse. D'accord? Et ce que je dis, c'est que justement, tu traverses cette porte et tu vois l'ouragan qui nettoie tout sur son passage pour que justement, eh bien, tu ne te. C'est un petit peu la journée facteur chance, un petit peu entre guillemets, où tu esquives de justesse quelque chose alors qu'il n'y a pas, la chance n'existe pas. Mais voilà, c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu tranquille, apaisante, et puis que tu peux avancer en toute tranquillité, tu ne vas pas t'encoubler. Voilà, avoir une écharde sur le doigt, une épine au pied ou un truc comme ça, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, il se peut que pour aujourd'hui, certains d'entre vous, vous alliez rendre visite à une personne qui est dans un chalet, il se peut aussi. Et cette personne, eh bien, elle a de la difficulté. Je ne peux pas vous dire si elle est jeune ou si elle est vieille, hein. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Par contre, elle a une difficulté. J'ai l'impression qu'elle a la jambe gauche dans le plâtre. Un peu bizarre. C'est la gauche, ouais. Et puis, justement, toi, tu vas lui donner un coup de main pour que la personne elle puisse bouger, quand même marcher la moindre, hein, un petit peu faire de la physio, je n'en sais rien, mais en tout cas l'activer un petit peu pour qu'elle s'embête pas. Faire attention au tapis, hein, ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire prévoir pour cette personne-là, enlever tout ça. Ou c'est la jambe, ou alors cette personne elle a été opérée au col du fémur, hein, vu qu'ici on voit vraiment l'appareil, donc c'est un peu ambigu, mais bon, voilà. Il faut prendre, hein, si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, ben ça, c'est pas pour vous. Tout simplement, je vous transmets ce qui est donné ici à travers ce maracafé.
Alors ici, il se peut aussi, vu qu'on me montre le symbole lunaire, il se peut que vous ayez demandé aussi, vous ayez fait des demandes ou des offres, que ça fait longtemps que vous avez peut-être baissé les bras parce qu'il n'y a pas eu de retour. Et justement, il y a quelque chose que tu as demandé par le passé où il y a une réponse favorable qui t'est donnée. Donc, j'ai aucune idée quelle a été la demande, d'accord? Par contre, attends-toi aujourd'hui à avoir une information du passé favorable pour toi. Une demande que tu as faite par le passé que tu avais oubliée, qui vient justement d'être favorable. Ici, on a le petit clou, hein. Donc, ne cherchez pas pourquoi je vois le petit clou, mais c'est comme ça, on me montre un clou rouillé, hein. Mais voilà, ce clou rouillé, ça montre tout simplement l'ancienneté de ce clou. Et justement, il te manque quelque chose pour être stable aujourd'hui. Et avec ce clou rouillé qui nous amène à quelqu'un de sage, quelqu'un de vieux, quelqu'un qui en a vécu, quelqu'un qui en a vu, qui vient justement t'apporter un de ces clous tout rouillés pour que tu puisses trouver cette stabilité. Et justement, le clou, il bougera plus, lui. Hein, donc, on vient t'amener un équilibre, une aide pour que justement tu puisses avancer sans aucun risque dans la durée. C'est très joli comme message. Ah bah oui, en voilà. Ce que je vous avais dit, qu'on traînait quelque chose de dur. Ici, on voit cette personne, hein, qui traîne quelque chose de difficile. Et si on regarde, ici, on a une personne qui est en chaise, d'accord? Et puis, qui est peut-être perdue dans ses pensées. Qui a justement peut-être problème de mémoire et qui est dans son monde. Et justement, toi, tu essayes de faire sortir cette personne de là d'où tu traînes cette chose difficile. Quand je dis la chose, ce n'est pas la personne, hein. Je dis, c'est la dureté de ce bagage, hein. C'est ça la chose, hein. Je parle pas de la personne. Et justement, ici, on te montre le papillon, chose que j'avais pas vue avant, donc ça a changé, c'est joli. Et on vient justement t'apporter un changement, t'apporter une légèreté pour que tu puisses, eh bien, suivre aussi, parce qu'on a le 8 ici de l'éternité, de l'infini, hein, qui ça veut dire que tu es sur ton cheminement, tu es sur ton avancée, sur ton plan de vie. Et là, on vient te donner de l'aide, t'apporter un équilibre pour que tu puisses cheminer tranquillement tout en ayant la possibilité d'être en connexion avec cette personne. Ce qui veut dire, eh bien, que ce fardeau n'a plus lieu d'être, vu que justement, tu laisses venir aussi l'aide des autres et tu peux t'accorder du temps pour toi. Justement, ce clou, hein, qui est très, très fort. C'est vraiment comme si on devait s'occuper, par exemple, du grand-père ou de la grand-mère. C'est la moindre des choses, c'est normal. C'est pour ça que je dis, c'est pas un fardeau, ça peut pas être un fardeau, c'est pas ça le fardeau. Le fardeau, eh bien, c'est tu veux tellement bien faire, tellement respecter tout ça, que tu vas être tellement loyal, hein, même à la virgule, au point, hein, que tu te fatigues trop pour rien, entre guillemets. Il faut aussi accepter l'aide des autres. C'est ça qui est joli. Ici, on nous parle. Ça fait combien de temps? 19 minutes. Hop. On se perd avec ce maracafé. Oh, mais des fois, on passerait des heures. Ici, on voit des personnes. On voit. Suzanne. On nous parle de discussion, de réunion. Il va y avoir un partage entre trois personnes pour discuter de quelque chose, d'une avancée, d'une aide à donner, en tout cas pour une collaboration. Pour aider peut-être une famille qui est dans le besoin, vu qu'ici on voit que quelqu'un qui en demande d'aide.
Et ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des liens qui sont en train de se créer pour avancer, pour être plus fort. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus court. Je laisse là, comme ça vous pouvez voir. Vous voyez toute autre chose. J'adore vous lire en commentaire. Je kiffe ça. Alors, c'est parti. Ici, on a le valet de bâton qui nous parle ici d'apprenti, hein, qu'on est un petit peu fébrile, on essaye un petit peu de faire au mieux selon ses connaissances, selon sa conviction, selon ce qu'on a appris. On nous parle, eh bien, c'est comme si vous recommencez un nouveau job, eh bien, tu pars un petit peu en titillant, hein, c'est normal, hein, tu sais pas comment, t'as encore pas pris tes aises, t'as encore pas pris tes repères, donc tu essayes un petit peu comme un apprenti, et eh bien de voir un petit peu comment font les autres, et puis tu vas essayer de te... tel un caméléon, tu vas essayer de faire la même chose, c'est normal, c'est tout à fait normal. On nous parle aussi ici de le 3 de denier. On nous parle vraiment de cette collaboration en lien peut-être à ce que tu as envie de créer, de mettre en place, de financer. Hein, j'ai assez l'impression qu'on va venir fêter quelque chose que tu avais perdu espoir par le passé qui vient justement en réussite. Ouais, c'est ça. Je vais prendre le tarot des anges. Dites-moi si vous aimeriez que je change aussi les cartes. Parce que je peux prendre aussi d'autres oracles ou des tarots si vous aimez, si vous avez envie aussi de voir autre chose. Hein. C'est possible. Après, j'ai pas tous les oracles et tous les tarots. Mais j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Bon, à part l'oracle géant, hein, celui-là, il est en commande. Hein, il arrive bientôt. Donc, après, je pourrais faire ce que vous m'avez demandé. Mais si vous voulez, en attendant, ben voilà. Moi, je dis, hein, puis... qu'est-ce qu'on a encore? On passe encore des nuits blanches. On est encore en mode sous-saille. Et on continue. On continue à avoir la frousse, on continue à se donner des sueurs froides. Tu as peur, peut-être. Tu angoisses parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te déstabilise au sein de la famille. Hein, tu as peur aussi pour le après. Ici, on te dit qu'il y a trop de choses qui ont lieu aussi en même temps. D'où, eh bien, ça t'amène aussi ces sueurs froides, ces nuits blanches. Où justement ça cogite tout le temps, tu n'arrives pas à te reposer. On te dit aussi d'aborder les choses aussi d'une autre manière, de voir ça un peu plus en mode ludique, un peu plus gai, un peu plus joyeux. Et justement comme ça, tu peux lâcher un petit peu plus la pression et tu peux te reposer comme les autres, tout simplement, parce que là, tu es en train de te fatiguer. Ici, on a la page de feu qui vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet qui est enthousiasmant et on te dit, eh bien, faire de preuves d'originalité et d'ingéniosité. Donc ici, il y a un projet que tu vas entendre, que tu vas justement, eh bien, aussi vouloir t'investir là-dessus. Tu vas aussi vouloir te mettre en mouvement pour ce projet. Et vu qu'ici, tu es défini en tant qu'apprenti, c'est peut-être sur ce nouveau lieu de job, d'accord? Et justement, on te dit de faire preuve d'originalité. Justement, vu que tu es nouveau, tu vas aussi avoir ce petit truc autre que, que ceux qui sont là depuis bien longtemps, eh bien non pas. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la charte de l'entreprise et toi, ben, vu que tu connais pas encore tout le monde ni le fonctionnement de A à Z, eh bien tu vas amener ce renouveau à ce projet-là. Hein. Donc ça, c'est très bien pour toi. C'est un très beau message. D'où ces nuits blanches, ces difficultés. Hein. Ça aussi peut-être en lien avec les sous, hein, ces nuits blanches. Hein. Tu as aussi peut-être des projets qui sont encore pas assez clairs, assez fondés. Et puis, tu te fais de la bile parce que tu ne sais pas si ça va aboutir ou pas.
Et si on te dit, élève, élève tes vibrations, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc ça, c'est un très beau message, d'où la musique, les vibrations. De mettre aussi un peu plus aussi de la gaieté, hein, si tu es dans cette difficulté-là, hein, si ça résonne en toi. Continue ici avec le message, en tout cas la prière ou aussi de ton ange gardien, un autre message de tes anges. Ah bah, prière, je parlais de prière. Hein. Bah voilà. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Voici un beau message, une belle prière que je vous invite à la résonner en vous, à la faire résonner en vous. 26 minutes, on va voir ici avec le jeu des constellations familiales, quelle est la difficulté à cibler aujourd'hui. Ben, j'ai l'impression qu'on en ramasse tous avec ça. L'illumination, où est-ce que l'illumination? Où est-ce que tu es? Alors, 59. Ah, vous la voyez, oui. Alors, l'illumination l'illumination a lieu quand quelqu'un vous rabaisse, vous diminue ou vous met dans l'embarras. Sachez que vous ne pouvez être humilié que si vous l'autorisez inconsciemment. C'est-à-dire, si vous restez en résonance avec... Oh oui, si vous restez en résonance avec cette thématique. J'espère que vous avez compris. Hein. C'est-à-dire, si vous restez en résonance avec cette thématique. À la base, cette blessure émotionnelle est en lien avec le manque de confiance en soi. Elle trouve la plupart du temps son origine dans l'enfance. Ouf, ben y a à lire, hein, je vous avertis. Alors, peut-être l'enfant ressent-il chez ses parents de la honte ou de la peur à son égard. Ils craignent pour leur enfant qu'il manque de capacité, fasse des erreurs ou agisse de manière non conforme. Il est aussi possible que l'enfant ne puisse pas se développer librement à cause d'un contrôle trop pesant. Ce manque de confiance, les parents ont seulement, ou seulement l'un d'entre eux, c'est aussi possible, l'avait déjà très probablement en eux-mêmes. Comme les autres blessures, attention, j'ai mon machin qui vient de se remettre en route tout seul. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah non, il n'a rien dit. Ok. Comme les autres blessures, il ne s'agit pas de résoudre uniquement la vôtre en rapport avec l'humiliation. Il s'agit aussi de s'occuper de celles enregistrées dans votre système familial dans les générations précédentes. Guérissez donc à la fois votre blessure personnelle et la blessure originelle dans votre système familial. La vie nous offre l'opportunité, à travers nos différentes expériences, de guérir les plaies encore ouvertes. Reconnaissez cette chance d'avoir la possibilité de guérir en profondeur vos résonances en rapport avec l'humiliation.
Guérissez vos programmes inconscients pour pouvoir attirer à vous des choses plus positives dans votre vie. Nous ne pouvons pas changer le passé ni les autres, mais nous pouvons toujours, nous avons toujours, pardon, la liberté de changer notre point de vue, d'accepter ce qui a été, de pardonner, de nous réconcilier et de nous permettre et de ne plus permettre l'humiliation. Pardon, j'ai de la peine là. Nous avons la liberté d'intégrer nos expériences douloureuses ainsi que celles de nos ancêtres. Cela nous rend plus forts, plus riches, plus grands. Si vous avez tiré cette carte, elle vous indique le manque de valeur de vous-même ou celui de vos ancêtres. Il est important de retrouver cette valeur. Pour avoir une autre compréhension de cette blessure, mettez-vous dans la peau de la personne qui vous humilie. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelles sont ses propres blessures cachées? Pourquoi agit-il ou agit-elle ainsi? La plupart du temps, cette personne veut élever sa propre valeur en diminuant la vôtre. Dites à cette personne en vous-même que l'humiliation vous fait et comment vous la ressentez. Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles et pardonnez. C'est assez parlant. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me parle beaucoup. Donc voilà les petites pouces. J'en ai fini pour les énergies de ce premier jour du mois d'octobre. Donc bon premier jour du mois. Ne vous limitez pas. Pétez le feu. Hein? Soyez heureux, soyez joyeux. Et puis, je vous kiffe grave. Je fais plein de petits poutous, maman. Et puis, je vous dis à demain, comme d'habitude. Allez, gros poutous. Bye, bye.